Salut tout le monde, c'est Aquatex. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu GTA 5 Online, les amis, pour vous présenter un after patch du glitch de duplication en solo, tout simplement, les amis. Du coup, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager ma chaîne au maximum. Ça me ferait extrêmement plaisir, les amis. Je tiens tout simplement à vous remercier pour vos 330 abonnés. C'est vraiment énorme, les amis. Go les 350, je compte sur vous. Et n'oubliez pas qu'aux 500 abonnés, on vous offre tout simplement deux codes lobby, les amis. Abonnez-vous au maximum, partagez la chaîne, ça nous ferait extrêmement plaisir. Du coup, une fois cela fait, les amis, revenons à la manipulation, les amis. Pour ce glitch, les amis, il va vous falloir, comme d'habitude, le centre d'opération mobile. Avec à l'intérieur, les amis, votre véhicule à dupliquer, les amis. Vous devez bel et bien mettre en mode 3 dépôt de véhicule personnel, tout simplement, les amis. Une fois cela fait, il va vous falloir le bunker, les amis, dans Foreclosure Mess Bank. Une fois que vous avez acheté le bunker, les amis, il va vous falloir le complexe, les amis. Je vous conseille le complexe le moins cher, tout simplement. Une fois que vous avez acheté cela, les amis, il va vous falloir tout simplement un véhicule à perdre, tout simplement, les amis. Je vous conseille la Anis Elegy RH8 à 0$. Vous achetez, vous prenez une couleur, vous la mettez dans votre complexe, tout simplement. Pour ma part, j'ai déjà une Elegy, vous avez bel et bien vu. Une fois cela fait, les amis, vous devez posséder un véhicule à dupliquer, les amis. Vous pouvez dupliquer soit vos Elegy Retro Custom, les amis, ou votre ici anticipation ou cauchemar, peu importe, les amis. Vous pouvez aussi dupliquer n'importe quel véhicule, ça dépend de vous, mais je vous conseille de dupliquer vos ici anticipation ou vos Elegy Retro Custom. Ce sont des véhicules qui se vendent les plus chers, les amis, dans le jeu, et vous pouvez en profiter au maximum, tout simplement. Du coup, vous devez mettre votre véhicule à dupliquer dans votre centre d'opération mobile situé dans votre bunker, les amis. Une fois cela fait, vous devez avoir le mode de visée libre comme moi, les amis. Vous pouvez le changer soit en mode éditeur, soit en mode histoire, tout simplement. Une fois cela fait, vous devez faire pavé tactile longtemps, masquer icône. Vous allez personnaliser vos activités, tout simplement. Une fois cela fait, les amis, vous êtes prêt à réussir la manipulation. Let's go. Là, les amis, une fois que vous êtes prêts, les amis, vous allez tout simplement entrer dans votre bunker pour moi, les amis. Une fois cela fait, vous allez vous diriger derrière votre centre d'opération mobile, puis vous allez entrer par le petit cercle bleu de votre centre d'opération mobile. Vous allez prendre votre véhicule à dupliquer comme moi, puis vous allez faire R2 pour accélérer. Pour ma part, ça sera la Elegy Retro Custom, les amis. Vous allez faire R2 pour accélérer et sortir de votre centre d'opération mobile, tout simplement. Une fois cela fait, les amis, vous allez descendre de votre véhicule comme moi, les amis, puis vous allez sortir, tout simplement. Une fois à l'extérieur, les amis, vous allez tout simplement vous rendre à votre complexe, les amis, comme moi. Mais pour cela, vous devez pas appeler un véhicule personnel. Vous devez soit vous inscrire en tant que sécurisé, commander un bizarre comme moi, ou vous allez voler un véhicule de PNJ, tout simplement. Une fois cela fait, vous allez vous rendre tout simplement à votre complexe comme moi sur le gameplay. Du coup, on se retrouve une fois arrivé au complexe, les amis. Une fois arrivé au complexe, les amis, c'est là où la méthode, c'est là où l'after patch intervient, tout simplement, les amis. Vous allez bien voir. Ici, vous devez vous diriger vers le secrétaire, les amis, vers l'homme, pas la femme, les amis, vers l'homme, tout simplement. Une fois arrivé là, vous avez bien vu que là, j'ai le message comme quoi je peux faire flèche de droite. Et là, vous allez faire option, vous allez voir, vous allez dans en ligne, vous allez voir que vous n'avez plus le pack d'entrée dans le monde criminel, tout simplement. Du coup, c'est là que l'after patch intervient, les amis, tout simplement. Vous allez vous placer là de telle sorte à avoir le message d'alerte, puis vous allez vous mettre face à la porte, tout simplement, qui est en face de vous comme moi, les amis.
Vous allez marcher, puis faire frais de doigt tout simplement, comme moi. Une fois cela fait, vous allez dans options en ligne, les amis. Et là, vous allez avoir le pack d'entrée dans le monde criminel, tout simplement. Vous allez entrer, puis vous allez faire une fois. Une fois cela fait, vous allez ouvrir la map en grand, les amis. Vous allez dans une activité, vous allez faire carré X, les amis, et faire rapidement comme moi. Et vous allez avoir le chargement à l'infini comme moi, tout simplement. Une fois cela fait, vous allez vous diriger vers le véhicule à pète, les amis, tout simplement. Une fois arrivé vers votre véhicule à pète, les amis, vous allez vous préparer à rejoindre une personne en mode visé différent de vous, tout simplement, les amis, comme moi. Une fois avoir trouvé une personne en mode visé différent de vous, les amis, vous allez faire triage et monter dans le véhicule, tout simplement. Vous allez patienter que le moteur s'allume comme moi, les amis. Puis vous allez rejoindre rapidement la personne en mode de visée différent de vous. Une fois avoir rejoint les amis, vous allez patienter quelques instants, les amis, jusqu'à ce que vous avez le message d'alerte comme moi, les amis. Une fois que vous avez ce message d'alerte, vous allez maintenir R2 comme moi. Vous allez surtout pas relâcher R2, les amis. Vous allez faire is carré, ils seront X, les amis, tout simplement. Vous acceptez le premier message, vous refusez le second, vous acceptez le troisième, puis vous allez relâcher R2 et vous allez avoir l'écran noir et vous allez voir votre joueur spawn à l'extérieur du complexe, tout simplement, à pied. Nickel. Une fois que vous avez fait cela, vous rappelez votre buzzard ou vous volez de nouveau un véhicule du PNJ pour vous rendre à votre bunker pour finir la manipulation. Du coup, on se retrouve une fois arrivé au bunker. Une fois arrivé au bunker, les amis, vous allez voir que votre véhicule n'aura pas bougé comme moi. Vous allez tout simplement, vous n'allez pas toucher à votre véhicule. Vous allez tout simplement vous diriger vers votre centre d'opération mobile comme moi. Vous allez entrer par le cercle bleu, puis vous allez ressortir de votre centre d'opération mobile. C'est juste pour éviter un bug, les amis, parce que souvent si vous ne faites pas ça, vous allez rester bloqué dans votre centre d'opération mobile. La seule façon de sortir, ça sera de monter dans votre véhicule et de faire R2 pour accélérer et sortir. Du coup, pour éviter cela, vous devez entrer dans votre centre d'opération mobile et ressortir. Ou bien tout simplement, vous prenez votre véhicule, vous entrez avec. Et une fois que vous avez vérifié qu'elle a été bel et bien dupliquée, vous allez tout simplement faire R2 et ressortir. Du coup, les amis, on va se diriger derrière le centre d'opération mobile. On aura ce message, on fait flèche de droite. On aura un message comme quoi le dépôt de véhicule est plein, on accepte le message. On aura un écran noir, un chargement, puis on va spawn à l'intérieur de notre centre d'opération mobile, tout simplement. Et boum, les amis, vous avez bel et bien vu que c'est un glitch de duplication, tout simplement. J'ai réussi à dupliquer ma Elegy Retro Custom. Pour vous montrer que c'est pas du fake, les amis, je vais acheter une Elegy RH8 que je vais mettre dans mon complexe. Vous allez voir que l'original, il est au complexe et le véhicule dupliqué, il est avec moi. Et boum, les amis, vous avez bel et bien vu, c'est bel et bien un glitch de duplication, tout simplement. Du coup, n'hésitez pas à aller en profiter au maximum avant que Rockstar ne le patch. Sur ce, moi je vous laisse sur ces images. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager ma chaîne au maximum. Ça me fait extrêmement plaisir. C'était Aquatex. Allez, go!